Bonjour, merci à toutes et à tous d'être venus nombreux ce 5 juin pour manifester à l'appel du POID, enfin du moins pour se rassembler sur la place de la Nation. Je ne m'étends pas sur les conditions de ce rassemblement, Daniel y reviendra plus tard, mais je donne tout de suite la parole à Alexandre Herzog, militant syndical, agent de la ville de Paris et militant du POID. Je suis agent à la ville de Paris, animateur, syndiqué et militant en parti ouvrier indépendant démocratique. Depuis maintenant 5 mois, je suis engagé avec des milliers d'autres collègues dans une bataille contre l'augmentation du temps de travail et la suppression de 8 jours de congé. 8 jours de congé et du temps de travail qu'Hidalgo veut augmenter avec sa municipalité. Les lecteurs de la Tribune des Travailleurs le savent, il y a quelques jours, Hidalgo a été contrainte de reculer et de redonner 3 jours sur les 8 qu'elle voulait supprimer. Ce recul, nous l'avons imposé par notre détermination et notre unité sur une même revendication, claire et précise, pas une minute de plus. Et le rejet de ces mesures était tel, et la colère était telle, que les organisations syndicales ont réalisé leur unité sur ce mot d'ordre et ont appelé à la grève et à la manifestation à 6 reprises, le 4 février, le 9 mars, le 13 avril, le 20 mai, le 27 mai et le 2 juin. Le rejet de ces mesures et la colère étaient tels que les organisations syndicales ont été contraintes de réaliser l'unité sur ce mot d'ordre, pas une minute de plus, et d'appeler à la grève et à la manifestation à 6 reprises. À ces manifestations où nous étions des milliers à sortir sur le pavé parisien. D'ailleurs, depuis maintenant plus de 2 semaines, les conducteurs de benne de la ville de Paris sont en grève. Les poubelles s'amassent dans certains arrondissements, bien que la municipalité fasse appel au privé pour ramasser les poubelles. Mais c'est dire la détermination de nos collègues. Cette volonté à ne pas travailler une minute de plus inquiète la municipalité. Elle cherche à diviser en usant de tous les mensonges possibles. Dans une note envoyée à tous les agents, elle dit vouloir, je cite, « préserver le service public parisien et les conditions de travail des agents de la ville de Paris ». Et elle poursuit « et créer 7 nouveaux jours » non travaillé pour tous les agents afin de limiter l'impact de la loi. C'est évidemment faux, car sur ces 7 jours, 4 relèvent de conditions et de contreparties que les agents devraient donner, travailler plus notamment. La municipalité veut nous faire croire que nous avons déjà tout gagné. Elle a peur de notre force. Alors il y a un problème qui ne peut pas être évité. Cette municipalité qui se dit de gauche, entre guillemets, dénonce cette loi et en même temps, elle l'applique. Elle explique depuis des mois qu'elle n'a pas le choix d'appliquer la loi. Aucun groupe politique du Conseil de Paris ne s'est prononcé pour ne pas appliquer la loi, alors que cette loi, c'est celle de Macron. Cette position va à l'encontre de la position de tous les agents, unis avec leur syndicat, sur une indication claire. Une municipalité qui voudrait réellement préserver le service public parisien et les conditions de travail des agents de la ville de Paris, comme elle le dit, devrait rompre tout de suite avec Macron et sa politique. Bien au contraire, Hidalgo et sa municipalité PS, PC, Europe Écologie Les Verts, Génération S, refuse d'aller à la rupture, avec le gouvernement, les institutions et la 5ème République. Alors, quelle municipalité pourrait diminuer le temps de travail des agents, défendre le statut, arrêter les privatisations, remunicipaliser et titulariser? Laquelle? On l'a écrit sur une banderole, la Commune de Paris de 1871. Alors oui, le gouvernement ouvrier est la seule issue pour en finir avec Macron et la réaction, pour satisfaire les revendications et des travailleurs. Oui, notre combat donne une indication claire. C'est bien la lutte des classes qui a permis ce premier recul. C'est par la lutte des classes que nous gagnerons son revendication. Oui, l'unité de tous les agents et de tous les syndicats sur une revendication claire et nécessaire pour faire reculer Hidalgo sur les 8 jours en totalité. C'est par la lutte de classe que nous imposerons un gouvernement au service des travailleurs. Je vous remercie. Alors, en 2020, 255 millions d'emplois à temps plein ont été détruits dans le monde, selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Ajoutons que, selon l'ONU, 100 millions de travailleurs ont basculé dans la pauvreté. Alors certes, le Covid-19 a frappé de plein fouet les travailleurs et les peuples dans le monde entier, mais les travailleurs ont également été victimes de l'absence de plans pour combattre cette pandémie. Car si l'argent coule à flot depuis des mois, c'est vers les patrons et les banquiers et non vers les travailleurs et leurs familles.
on le sait, 560 milliards d'euros ont été offerts aux spéculateurs par le gouvernement et grâce à un vote unanime à l'Assemblée nationale. 750 milliards d'euros ont été débloqués par l'Union européenne. Aux États-Unis, Biden a fait voter un plan de 1900 milliards de dollars. Une avalanche de fonds publics et dans le même temps, rappelons-le, 255 millions d'emplois ont été détruits. Car cet argent n'est servi qu'à une chose, organiser les plans de licenciement, comme à Air France et à Renault en France, pour engraisser les patrons et les actionnaires. Pendant ce temps, les travailleurs et leurs familles ont été privés de masques, les personnels hospitaliers de blouses, les malades de respirateurs, les élèves d'école, les étudiants d'université et les travailleurs d'emploi. Et aujourd'hui, les vaccins manquent cruellement. Au plan mondial, 11% de la population a reçu une première dose de vaccin et 5,7% deux doses. C'est le résultat de la survie d'un système, le système capitaliste, contre lequel combat le Parti ouvrier indépendant démocratique. L'Organisation internationale du travail voit les signes d'une reprise avec une croissance qui pourrait concerner la plupart des pays dès la deuxième moitié de l'année 2021. Mais elle précise deux choses. Premièrement, à la fin de l'année, il manquera toujours 100 millions d'emplois à temps plein. Et deuxièmement, la condition pour une reprise de la croissance, c'est d'avoir suffisamment de vaccins. On l'aura compris, cette condition est loin d'être remplie. Là encore, parce qu'au lieu d'affecter les centaines de milliards à la protection de la population et en l'occurrence à la production en masse de vaccins, ce qui nécessite la levée des brevets, les gouvernements les ont affectés aux capitalistes. Malgré la pandémie, malgré les nombreux obstacles, les travailleurs et les peuples dans le monde entier se dressent contre cette politique. Chaque semaine, la tribune des travailleurs se fait l'écho de ces mobilisations. Aujourd'hui, je voudrais en particulier adresser un message de soutien et de solidarité au peuple palestinien et saluer la mobilisation inédite. Et saluer la mobilisation inédite de toutes les composantes du peuple palestinien réalisant leur unité de la Méditerranée au Jourdain et dans les camps de réfugiés du Liban et de Jordanie, notamment dans la grève générale du 18 mai dernier, pour leur droit à la terre, à la nation et au retour des réfugiés. En Colombie, le gouvernement est confronté à un véritable soulèvement ouvrier et populaire. Un soulèvement contre la politique d'un régime oligarchique inféodé à l'impérialisme nord-américain depuis des décennies, qui non seulement torture et assassine les syndicalistes, les militants, les jeunes, les étudiants, mais en plus a voulu imposer des contre-réformes dans tous les domaines, santé, travail, retraite. Concernant la contre-réforme de la retraite, il aurait fallu payer l'équivalent de 5 mois de salaire pour une assurance santé permettant l'accès aux soins. Face à la mobilisation, le gouvernement a dû retirer son projet et le ministre de la Santé a dû démissionner. Cette semaine, la tribune des travailleurs donne la parole à une militante membre de la Coordination nationale syndicale et populaire qui explique l'organisation de leur mouvement. Il s'agit d'une véritable assemblée populaire à laquelle participent des représentants des organisations syndicales ouvrières, d'organisations paysannes, étudiantes, enseignantes et de différents autres secteurs. Alors oui, le Parti ouvrier indépendant démocratique, internationaliste et solidaire des travailleurs et jeunes colombiens et apporte tout son soutien à ces travailleurs et militants qui cherchent la voie de l'organisation contre la politique pourrie de leur gouvernement. Tout comme nous sommes solidaires des travailleurs et paysans indiens qui, dans les pires conditions, combattent depuis des mois la politique du gouvernement Modi. Les ravages de l'épidémie en Inde, 250 000 morts officiellement, mais sans doute 4 fois plus, ne sont pas une fatalité. C'est le résultat d'une politique qui privatise à tour de bras. Depuis des décennies, moins de 2% des dépenses budgétaires ont été consacrées aux dépenses de santé dans ce pays. Le 26 mai, c'est le sixième mois de lutte des paysans pour imposer au gouvernement le retrait des lois livrant l'agriculture indienne à la voracité des spéculateurs locaux et des multinationales étrangères. Le 26 mai, les paysans se sont rassemblés dans tout le pays à l'appel des organisations paysannes pour exiger l'abrogation de ces lois.
Les grandes centrales syndicales du pays ont à cette occasion signé une déclaration commune qui assure les paysans de leur soutien et exige la vaccination pour tous, le retrait des lois anti-paysannes, le maintien du code du travail et l'arrêt des privatisations. Déclaration qui met à l'ordre du jour la lutte d'ensemble du peuple travailleur indien tout entier pour arracher ses revendications. Le Parti ouvrier indépendant démocratique, parti internationaliste, soutient tous ces combats et aussi celui du peuple algérien qui depuis 2 ans manifeste contre le régime et aussi le combat des travailleurs brésiliens qui exigent avec la centrale unique des travailleurs dehors Bolsonaro. Autant de combats qui mettent à l'ordre du jour la convocation d'une conférence ouvrière internationale contre la guerre et l'exploitation dans le cadre du comité ouvrier international dès que la situation sanitaire le permettra. Alors, vive le combat des travailleurs du monde entier, vive l'internationale ouvrière. Liberté, Palestine, libre et indépendante, la paix, la liberté, Palestine, libre et indépendante, la terre, la paix, la liberté, Palestine, libre et indépendante. La liberté, Palestine, libre et indépendante. La terre, la paix, la liberté, Palestine, libre et indépendante. La terre, la paix, la liberté, Palestine, libre et indépendante. Alors camarades, sans transition, la parole à Maya Baloul, étudiante. Bonjour, effectivement je suis étudiante et en fait depuis plusieurs années, la jeunesse subit la violence que lui inflige le système capitaliste et les divers gouvernements successifs français de droite comme dit de gauche. On peut citer parmi toutes ces offensives la réforme du baccalauréat qui supprime le bac national, Parcoursup qui renforce les inégalités entre les élèves, l'ordonnance du 25 décembre 2020 qui est passée par Macron, qui sabote les conditions d'examen, l'augmentation du coût des études pour les étudiants étrangers, mais aussi les violences répétées en manifestation, l'exploitation des jeunes étudiants et travailleurs, la précarisation de plus en plus forte des emplois jeunes. Ces violences n'ont fait que s'accentuer avec la pandémie Covid-19. On n'a plus de cours, on n'a plus d'emploi, on n'a plus de quoi se nourrir. La jeunesse est contrainte de se reposer sur des initiatives prises par certaines associations. L'État nous laisse mourir. Il faut ajouter à ces offensives-là la loi sécurité globale, qui est liberticide et qui est un pas de plus vers l'autoritarisme. Mais face à ces offensives, la jeunesse cherche à s'organiser. À titre personnel, je me suis bagarrée cette année avec le comité de défense de l'Université de Nanterre pour le rétablissement des cours en 100% présentiel avec les conditions matérielles nécessaires, l'égalité des élèves dans leurs études et tout ce que cela implique, et aussi pour l'inscription des 100 facs. Il y a aussi eu d'autres initiatives prises comme « Nous voulons étudier », bagarre menée par le comité national de liaison. Et en fait, derrière ce mot d'ordre très simple qui est juste « Nous voulons étudier », il y a une force révolutionnaire qui est terrible. Ça veut dire à bas la sélection, à bas ce gouvernement qui empêche les étudiants de manger, à bas la casse des services publics, à bas le capitalisme. En un combat, plusieurs bagarres sont réunies. Et c'est ce qu'implique en fait le combat de la jeunesse contre le capitalisme aux côtés de la classe ouvrière et de ses organisations. L'intégration de toutes les luttes, qu'il s'agisse de la lutte contre le racisme, contre la double oppression des femmes, contre la destruction de l'environnement, la lutte contre toutes les discriminations. Nous sommes dans tous les combats et donc rien ne sert de morceler les luttes puisqu'elles convergent toutes vers le même problème qui est le capitalisme. De ces diverses initiatives et bagarres, la dernière en date est la constitution par les jeunes révolutionnaires de la Fédération des jeunes révolutionnaires qui a pour but d'aider les jeunes à s'organiser pour mener leur bagarre. J'invite tous les jeunes ici présents à rejoindre la fédération pour en finir enfin avec ce système d'exploitation qu'est le capitalisme. Il faut vivre,
le gouvernement qu'il faut virer. C'est pas les étudiants qu'il faut sélectionner. C'est le gouvernement qu'il faut virer. C'est pas les étudiants qu'il faut sélectionner. C'est le gouvernement qu'il faut virer. C'est le gouvernement qu'il faut virer. Camarade, je donne la parole à Daniel Gluckstein, secrétaire national du POID. Camarade, avant toute chose, je voudrais m'excuser de retirer mon masque le temps de cette prise de parole. Car vous le savez, le Parti ouvrier indépendant démocratique, qui n'a pas d'intérêt distinct de ceux de l'ensemble des travailleurs, a depuis le début de cette pandémie eu à cœur de faire en sorte que les travailleurs et leurs familles, qui sont exposés par ce gouvernement sans scrupules à la pandémie, par un gouvernement qui, loin de les protéger, les expose pour toutes les raisons qui ont été données, nous avons eu à cœur de ne pas ajouter à cela un non-respect des règles qui certes sont minimum, certes sont limitées, mais permettent aux travailleurs et à la jeunesse de vivre et de survivre contre le régime qui les assassine en permanence. Alors camarades, vous le savez, ce rassemblement se tient dans des conditions tout à fait particulières. Et avant d'en venir au sujet sur lequel je dois m'adresser à vous, je voudrais d'abord adresser des remerciements. Des remerciements aux travailleurs, aux militants, aux élus, aux organisations qui, sans partager les positions du Parti ouvrier indépendant démocratique, ont pris position depuis 24 heures contre l'interdiction qui frappe notre manifestation. Je ne peux pas les citer tous, mais sachez que toutes ces prises de position seront mentionnées dans le prochain numéro de la Tribune des travailleurs. Merci à ces nombreux militants et responsables, militants syndicaux, militants socialistes, communistes, insoumis, simples travailleurs, qui ont dit leur exaspération, leur colère devant l'interdiction de la manifestation. Merci en particulier, on ne peut pas tous les citer, à Nasseria Benmaria, qui est adjointe au maire de Marseille, à Lionel Benarous, maire des Lilas en Seine-Saint-Denis, à Arsène Schmitt, président du comité des frontaliers de Moselle, qui tous nous ont dit « nous condamnons l'interdiction de votre manifestation ». Merci aux très nombreux syndicats et sections syndicales de la CGT et de Force ouvrière. Merci en particulier aux unions départementales de la CGT, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, et de l'Essonne, pardon, de Lyon, excusez-moi, qui ont pris position, comme par exemple cette UDCGT de Lyon, qui déclare qu'elle s'élève vivement contre l'interdiction de manifestation par le préfet de police ce samedi 5 juin à l'appel du POID, car cette interdiction porte une atteinte grave aux libertés d'expression et aux droits d'expression collective des idées et des opinions, protégées par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Merci aux unions départementales Force ouvrière du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis qui ont adopté de semblables positions. Je cite, Force ouvrière 93 considère que l'interdiction partielle par la préfecture de police de Paris de la déclaration de manifestation déposée par le parti politique POID pour le samedi 5 juin constitue une atteinte grave à la liberté de manifester et à la liberté d'expression. Merci à Benoît Test, responsable national de la FSU, Fédération syndicale unitaire, qui demande à notre camarade Jacques de nous transmettre son soutien, car manifester est un droit bafoué ici de manière scandaleuse. La FSU demande à ce que le droit à manifester soit assuré, il en va du respect des libertés démocratiques. Merci aux organisations locales et nationales, merci à la section de Brest de la Ligue des droits de l'homme, à la section de Saint-Malo du Parti Socialiste. Merci au plan national, aux représentants du pôle de Renaissance communiste de France, à la direction du Parti communiste des ouvriers de France, aux porte-parole de Génération.S, qui tous nous ont adressé semblable message.
Merci enfin aux 9 députés de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, Mathilde Panot, Éric Coquerel, Caroline Fiat, Hugo Bermalicis, Adrien Quatennin, Sabine Rubin, François Ruffin, qui dans un communiqué publié ce matin, communiqué intitulé « Le POID doit avoir le droit de manifester, défendons nos libertés démocratiques », déclare « Nous désapprouvons totalement cette interdiction. C'est une question de principe. Manifester est une liberté fondamentale que nous devons tous défendre et qui ne peut être acceptée ou retirée selon la volonté discrétionnaire du pouvoir actuel » et qui indique que d'autres manifestations sont autorisées, tandis que la nôtre est interdite. Oui, merci à tous ces responsables, merci à tous ces élus, merci à tous, et je n'hésite pas à le dire, à tous ces camarades, avec qui, quels que soient les désaccords, nous avons en commun la volonté de défendre dans un seul front les libertés et la démocratie qui sont menacées aujourd'hui dans le pays. Camarades, cela a toujours été la position du Parti ouvrier indépendant démocratique. Nous nous sommes exprimés avec force contre la perquisition qui a frappé les locaux de la France insoumise il y a quelques années. Comme nous avons condamné l'agression contre le cortège de la CGT qui a eu lieu ici même, place de la Nation, le 1er mai dernier. Parce que les organisations ouvrières, politiques et syndicales ont conquis chèrement le droit de s'exprimer et nous le défendrons ensemble, quels que soient les désaccords entre nous. Camarades, permettez-moi de vous dire quelles sont les raisons de cette interdiction, tellement elles sont non seulement invraisemblables, mais graves. Elles sont graves pas seulement pour le POID, elles sont graves pour la démocratie en général. La préfecture de Paris, dans l'arrêté interdisant la manifestation, arrêté signé du préfet Lallemand, déclare, je cite, que compte tenu des mots d'ordre de la manifestation du POID, en particulier contre la Ve République et en opposition avec la politique du président de la République et du gouvernement, compte tenu de ces mots d'ordre, le risque est grand que des éléments incontrôlés s'infiltrent dans nos manifestations pour y déchaîner je ne sais quelle violence incontrôlée. Mes camarades, il faut comprendre que cela va plus loin. Parce que, aujourd'hui même, il y avait le référé liberté, vous savez, une procédure de justice d'urgence pour demander que cette interdiction soit levée. Et lors de cette procédure, le gouvernement, par le biais de son représentant, a précisé son argumentation. Et je vous demande d'écouter cette argumentation parce que si elle était confirmée, elle serait d'une gravité exceptionnelle. Le représentant du gouvernement a dit « Nous savons que le Parti ouvrier indépendant démocratique est un parti sérieux. » Nous savons que c'est un parti qui contrôle ces manifestations. Nous savons qu'il n'y a jamais d'incident dans ces manifestations. Mais comme le 1er mai dernier, dans la manifestation de la CGT, des gens se sont infiltrés pour créer des incidents, alors cela pourrait se reproduire. Mes camarades, réfléchissez bien. Si l'argument, ce sont les incidents qui ont frappé le cortège de la CGT le 1er mai, alors ces arguments, demain, vont être utilisés pour interdire les cortèges de la CGT. Pour interdire les cortèges de force ouvrière, pour interdire tous les cortèges syndicaux ou politiques, au motif qu'il existe toujours le risque que des gens infiltrés, éventuellement avec la complaisance de la police, puissent provoquer des incidents. Camarades, nous allons en discuter au bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique. Il est clair que cette affaire ne restera pas sans suite. Il est clair que nous ferons appel de cette décision, parce que c'est une décision politique. Si nous avions fait une manifestation pour dire « Vive Macron et vive la Ve République », elle aurait été autorisée, tout le monde le sait. C'est donc une volonté d'étouffer les libertés. Et si on étouffe les libertés pour un, on étouffe les libertés pour tous. C'est pourquoi nous nous adresserons à nouveau à tous les partis, aux militants, aux organisations, et nous leur proposerons de constituer un front large de défense de la démocratie et des libertés pour appuyer l'appel que nous ferons de cette décision. Unité pour les libertés ! Unité pour les libertés ! Unité pour les libertés !
Camarades, remarquons au passage que ce gouvernement qui n'a le mot de sécurité à la bouche, dans cette décision, nous indique qu'il est incapable d'assurer la sécurité de manifestants. Mes camarades, un gouvernement qui n'est pas capable d'assurer la sécurité de manifestants, c'est un gouvernement qui vous dira demain de ne pas envoyer les enfants à l'école parce qu'ils peuvent être agressés sur le chemin de l'école. C'est un gouvernement qui vous dira de ne plus prendre le métro et le bus parce que vous pouvez vous faire agresser. Un gouvernement qui n'est pas capable d'assurer sa propre responsabilité, rien que pour cette raison, devrait être chassé sans délai. En fait, ce gouvernement est capable de garantir une certaine sécurité. Il est capable de garantir la sécurité des profits capitalistes et il ne s'en prive pas. Et d'une certaine manière, camarades, même si la décision qui nous frappe est injuste, même si nous sommes scandalisés par l'environnement policier qui encadre ce rassemblement pacifique, même si nous ne sommes pas dupes du passage sonore de voitures de police à l'instant, même si nous ne sommes dupes d'aucune de ces manières, d'une certaine manière aussi, nous y voyons un hommage qui nous est rendu. Par enfin, qu'est-ce que dit le préfet Lallemand ? Il dit le problème du POID, c'est qu'il est contre la Ve République, en opposition avec la politique du président de la République et du gouvernement. Et il met ce membre de phrase entre guillemets, comme si c'était le thème de notre appel. Mais ce n'est pas vrai. Le texte de notre appel, déposé en préfecture de police, dit la chose suivante. Contre la Ve République, dehors Macron, son gouvernement et sa politique. Mais ce sont des mots qui font tellement peur au préfet de police Lallemand qu'il n'ose même pas les reproduire. Il n'ose pas dire c'était une manifestation pour chasser Macron, c'était une manifestation d'opposition à sa politique. Eh bien non, monsieur Lallemand, nous ne sommes pas ici pour nous contenter de dire notre opposition à la politique de monsieur Macron. Nous sommes ici pour dire que Macron doit partir maintenant, tout de suite, et le plus tôt sera le mieux. Alors camarades, de toute évidence, on n'a pas le droit de le dire. Ou en tout cas, on a le droit de le dire de manière statique, mais pas en marchant. Bien. Eh bien, s'il faut le dire de manière statique et pas en marchant, nous le dirons de manière statique et pas en marchant. Et puis nous l'écrirons dans notre journal. Et puis nous l'écrirons dans les tracts. Mais enfin, camarades, Lallemand, Darmanin, Macron, ils connaissent le POID. Ils savent bien que notre intention n'était pas de prendre le pouvoir ce 5 juin 2021 à Paris. Ils savent bien, et d'ailleurs beaucoup de gens le disent, que notre intention n'était pas de marcher sur l'Elysée. Ils savent bien que nous n'avons pas pour politique de casser 3 vitrines et demie pour nous donner le sentiment d'être plus radicaux que d'autres. Ils le savent tout ça. Mais ils savent aussi, et c'est vrai, que nous combattons pour le pouvoir de la classe ouvrière. Pas par des actions minoritaires, pas par des espèces de débordements radicaux. Mais oui, nous voulons un gouvernement de la majorité. Nous voulons un gouvernement qui soit le gouvernement de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Oui, nous voulons remettre le pouvoir de décider entre les mains du peuple travailleur. Nous voulons l'Assemblée constituante souveraine. Et la seule chose que nous revendiquons, c'est le droit d'expliquer inlassablement ce point de vue, de le défendre, de l'argumenter et d'organiser. Mais nous ne cachons pas notre objectif. Le jour où une majorité du peuple travailleur, organisé, décidera que l'heure est venue d'en finir, le jour où une majorité du peuple travailleur décidera que l'heure est venue de régler la question par elle-même, alors cette majorité aura la légitimité de le faire. Et nous appuierons tout pas pour restituer le pouvoir de décider entre les mains du peuple travailleur. Nous appuierons tout pas pour établir le gouvernement de la majorité. Tout pas pour chasser la minorité des capitalistes. Nous ne cachons pas notre objectif. C'est notre objectif. Mais nous ne l'atteindrons qu'à la condition de gagner à cet objectif la majorité des travailleurs et des jeunes. Mais nous ajoutons bien sûr, le plus tôt sera le mieux. Alors camarades, nous sommes dans une situation où il n'est pas exagéré de dire que ce gouvernement viole les droits du peuple. Il s'en prend à toutes nos libertés. Il y a eu l'état d'urgence qui, paraît-il, a été levé.
Et puis il y a aujourd'hui l'état d'urgence qui se poursuit bien qu'il ait été levé. Il y a les manifestations interdites. Il y a la répression. Je voudrais dire ici, parce que les jeunes camarades qui sont dans l'assistance ont peut-être le sentiment que cela a toujours été comme ça. Ce n'est pas vrai. Même sous la Ve République, qui est pourtant un régime autoritaire, on n'a jamais vu de manifestation interdite en raison de ces mots d'ordre. Camarades, nous, quand je dis nous, aucun de nous personnellement, mais nous, la classe ouvrière, quand De Gaulle a pris le pouvoir en 1958, et c'était un coup d'État, mais les travailleurs ont manifesté à 500 000 à l'appel des syndicats sur le mot d'ordre « le fascisme ne passera pas, à bas le coup d'État, dehors De Gaulle ». Il n'a pas été possible de les empêcher. Qu'en 1963, les mineurs en grève ont marché sur Paris. Personne n'a pu les empêcher de marcher. Personne n'a cherché à interdire la manifestation. Et ils ont été accueillis par la classe ouvrière. Qu'en 1968, contre la répression qui frappait les étudiants, 1 million de travailleurs ont défilé à Paris. Eh bien, personne n'a cherché à interdire les manifestations. C'est la première fois, en pleine guerre d'Algérie, on pouvait manifester contre la guerre d'Algérie. Et à chaque étape, le droit de manifester, même s'il se heurtait à la répression policière, n'était pas interdit. C'est la première fois dans ce pays qu'on interdit une manifestation en raison de ces mots d'ordre. Et ce précédent est d'une extrême gravité. Mais surtout, camarades, ce gouvernement, en faisant ça, viole les libertés, mais il viole aussi le droit le plus élémentaire de la classe ouvrière. Il viole le droit de vivre, c'est-à-dire le droit de vivre de son travail. Camarades, dans la société capitaliste, le droit de travailler est le seul véritable droit d'un travailleur ou d'un jeune. Nous sortons de 16 mois de pandémie, rien n'indique que nous en sortions vraiment. Et ce n'est pas fini. Une des banderoles, ici, avance le mot d'ordre « interdiction des licenciements ». Une autre dit « confiscation des 560 milliards qui ont été donnés aux patrons ». Camarades, une étude vient d'être publiée par un organisme qui s'appelle l'Observatoire des multinationales. On y apprend les chiffres suivants. Soyez attentifs. Les entreprises du CAC 40, vous savez, les 40 entreprises les plus fortunées de France, celles qui sont cotées à la Bourse de Paris, ont toutes reçu dans les 16 derniers mois des aides financières de l'État en raison de la crise sanitaire. Non seulement elles ont reçu cette aide de l'État, mais elles ont continué à verser des dividendes à leurs actionnaires. D'une main, elles ont empoché les centaines de milliards de l'État. De l'autre, rien que ces 40 entreprises ont versé 51 milliards d'euros à leurs actionnaires. L'argent de l'État, l'argent qui manque dans les écoles, qui manque dans les universités, qui manque dans les hôpitaux, qui manque dans les HLM, qui manque pour les vaccins. 51 milliards passés directement de l'État via la poche des entreprises vers les actionnaires. Et l'Observatoire des multinationales, qui est un organisme indépendant qui a fait cette étude, a fait une comparaison que je voudrais vous livrer, parce que je la trouve très parlante. 51 milliards d'euros, je les cite, c'est l'équivalent de la construction de 100 hôpitaux publics, ou l'équivalent de la construction de 1300 lycées, ou encore l'équivalent de 36 000 km de lignes ferrées TER, ou encore la rémunération de 960 000 personnels soignants et non soignants des hôpitaux publics. Nos camarades des hôpitaux sont en train de se tuer au travail, dans des conditions innommables, parce qu'on n'embauche pas, parce qu'on ferme les services, et on donne 51 milliards d'euros aux actionnaires des entreprises du CAC 40. Et camarades, pendant ce temps, les licenciements continuent. Renault, Air France, Sanofi, qui font partie des entreprises du CAC 40, ont touché des dizaines et des centaines de milliards et ont opéré des dizaines de milliers de licenciements. En ce moment, vous le savez, toutes les entreprises de fonderie et de sous-traitance qui travaillent chez Renault sont toutes frappées par des plans de suppression d'emplois. Ce sont des familles ouvrières qui se retrouvent sans aucune perspective, qui vivaient sur un salaire de 1500, 1800 euros. Et pendant que Renault, l'entreprise commanditaire, touche des milliards, eux, on les met à la porte, on les réduit au chômage et à la misère. Et pendant ce temps, on entend des grandes études
qui nous disent comment se fait-il que dans le département le plus pauvre de France, la Seine-Saint-Denis, il y ait moins de vaccins qu'ailleurs. Et on nous invente des explications exceptionnelles. Les gens sont moins vaccinés parce qu'ils sont plus pauvres. Ils sont moins vaccinés parce qu'il y a beaucoup d'immigrés qui ne comprennent pas bien le français. Eh bien, ce serait facile de résoudre ce problème. Il suffirait de réimplanter des centres de vaccination et des centres médico-sociaux dans toutes les cités, au pied de toutes les cités HLM. Il suffirait de demander à des interprètes professionnels auprès des populations immigrées de servir d'intermédiaires pour expliquer les conditions des vaccins et leur intérêt, et ça coûterait beaucoup moins cher que les dividendes pour les actionnaires de Renault. Mais vacciner les populations les plus pauvres, les protéger de la maladie, cela n'intéresse personne. Alors oui, camarades, nous avons dans notre journal, et nous le répétons, nous avons avancé des mots d'ordre simples. Confiscation des 560 milliards. Affectation de ces milliards pour l'école, les hôpitaux, pour l'emploi. Nous l'avons écrit 10 fois, 20 fois, 100 fois. Nous l'écrirons 1000 fois s'il le faut, 10 000 fois. Nous le porterons dans le journal, dans les tracts, dans les affiches. Nous l'expliquerons dans toutes les assemblées syndicales. Que personne ne vienne nous dire qu'il n'y a pas d'argent. De l'argent, il y en a plus qu'il n'en faut. Mais il faut aller le chercher là où il est. Confiscation, réquisition. Mes camarades, si l'on dit confiscation et réquisition, alors il faut dire qu'il s'agit de rompre avec le système actuel, de rompre avec ce gouvernement. Et nous le savons, les travailleurs sont confrontés à un problème politique qu'on ne peut pas se cacher, à savoir que le 19 mars 2020, lorsque l'Assemblée nationale, à la demande de Macron, a voté la première tranche de 343 milliards d'euros pour les capitalistes, tous les députés ont voté ces 343 milliards. De la part des députés de droite, d'extrême droite, des députés macronistes, c'est dans l'ordre des choses. Mais nous répétons qu'il n'est pas dans l'ordre des choses que des députés qui appartiennent à des partis qui se réclament des beaux noms de socialisme, de communisme, d'insoumission, il n'est pas normal que ces partis aient voté ces 343 milliards. Et aujourd'hui, dans toutes les grèves qui se développent, et elles sont nombreuses et les camarades en ont parlé avant nous, lorsque les travailleurs de la ville de Paris sont en grève contre le surtravail qu'on veut leur imposer pendant 8 jours, lorsque les AESH, vous savez, ces femmes, principalement des femmes, il y a aussi des hommes, mais ces femmes qui, pour un salaire de misère, prennent en charge les enfants handicapés dans les écoles, lorsqu'elles se mettent en grève pour obtenir d'autres conditions de travail, d'autres salaires et pour être plus nombreuses pour s'occuper des enfants, lorsque les travailleurs d'aéroports de Paris préparent la grève contre la volonté de la direction de leur voler un mois de travail par an, lorsqu'à Renault et dans les fonderies, les travailleurs sont en grève contre les licenciements, il faut dire les choses comme elles sont. Toutes ces grèves et bien d'autres sont en fait des grèves contre les conséquences du vote du 19 mars 2020. Et c'est pourquoi cette question politique est importante. Oui, nous l'affirmons, rupture, confiscation, réquisition sont les trois mots d'ordre qui sont à la base de l'unité des travailleurs et des organisations dans le combat. Et l'unité, elle exige de rompre tout consensus avec Macron. Que ce soit le consensus d'organisations syndicales qui, bien souvent, hésitent à en appeler à la lutte unie contre le gouvernement, qui bien souvent, même quand elles font des déclarations justes, renoncent à ouvrir des perspectives de mobilisation, ou que ce soit le consensus politique. Je l'ai dit au début de cette intervention, nous nous félicitons que des élus de différents partis, des responsables, des militants, aient fait un pas sur la voie de l'unité en disant « le POID a le droit de manifester ». Notre souhait le plus cher, c'est qu'il fasse un deuxième pas sur la voie de l'unité. Et que ce deuxième pas sur la voie de l'unité les amène à rompre le consensus avec Macron, les amène à cesser d'accompagner la politique du gouvernement, les amène à s'engager sur la voie de la rupture. Vous le savez, la semaine prochaine, une manifestation est convoquée. Elle est convoquée par un très grand nombre d'organisations et d'associations sur le mot d'ordre qu'il faut combattre les idées de l'extrême droite. Bien sûr, camarades, qu'il faut combattre les idées de l'extrême droite. Personne n'a le droit de se réclamer de la classe ouvrière et d'accepter les positions racistes, xénophobes, anti-ouvrières, anti-jeunes, anti-femmes, qui sont les caractéristiques de ces mouvements. Évidemment,
mais il faut appeler un chat un chat. Qui licencie aujourd'hui dans notre pays ? Ce ne sont pas les idées d'extrême droite qui licencient. Ce sont les patrons appuyés par le gouvernement et prenant appui sur le vote du 19 mars 2020 à l'Assemblée. Qui frappe les travailleurs ? Qui menace les retraites ? Qui remet en cause l'assurance chômage ? Qui ferme les centres de protection maternelle et infantile dans nos cités ? Qui refuse de la rénovation des immeubles HLM laissés à l'abandon ? Qui laisse la jeunesse sans perspective ? Qui refuse de nommer les professeurs ? Qui les contraint à des petits boulots ? Ce ne sont pas les idées de l'extrême droite. C'est un gouvernement, il porte un nom. C'est le gouvernement Macron. Et si on veut combattre les idées de l'extrême droite, il faut dire que ce gouvernement, c'est lui qui ouvre la voie à l'extrême droite. Macron, c'est la voie la plus courte vers Le Pen. Alors si on veut combattre les idées d'extrême droite, il faut dire dehors Macron et sa politique. Nous l'avons dit, nous le répéterons. On nous parle de bloquer l'extrême droite, de bloquer la réaction. Le Parti ouvrier indépendant démocratique est disponible pour toute initiative visant à bloquer la réaction dans l'unité avec toutes les autres formations. Mais pour notre part, nous disons, bloquer la réaction, c'est rompre avec Macron. Bloquer la réaction, c'est chasser Macron. Bloquer la réaction, c'est l'unité pour la réquisition, la confiscation, c'est l'unité pour les revendications dans la lutte de classe. C'est sur ces mots d'ordre qu'en toute indépendance, le Parti ouvrier indépendant démocratique participera aux manifestations de samedi prochain. Non pas en se contentant de dire nous combattons les idées de l'extrême droite, mais en disant que celui qui veut combattre les idées de l'extrême droite doit combattre la politique de ce gouvernement, de cette classe capitaliste, et doit aider les travailleurs à s'en rassembler dans les grèves et les manifestations pour gagner sur les revendications, parce que c'est le chemin le plus court contre la réaction. Camarades, au-delà de cet épisode de la manifestation de samedi dernier, le Parti ouvrier indépendant démocratique organisera dans les prochaines semaines, dans tout le pays, des assemblées d'unité, des assemblées de travailleurs, de jeunes, dans les cités, dans les usines, dans les bureaux, dans les écoles. Nous allons proposer à tous ceux qui partagent ces objectifs, bloquer la réaction sous toutes ses formes, réquisition, confiscation, nous proposerons à tous ceux-là de nous réunir, de définir ensemble nos cahiers de revendications, de les inscrire comme autant de revendications politiques, de désigner nos délégués et de préparer des assises nationales pour l'unité qui commenceront à dessiner ce que veut dire le mot d'ordre d'assemblée constituante par laquelle le peuple devra décider lui-même. Camarades, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes honorés de l'attention que messieurs Lallement, Darmanin et Macron nous accordent. Nous sommes honorés de la crainte que de toute évidence nous leur inspirons. Nous sommes pourtant conscients d'être un petit parti, un tout petit parti. Nous ne prétendons pas être autre chose que ce que nous sommes. Mais si ce petit parti est suffisant pour effrayer à ce point les puissants de ce monde, alors camarades, je vous invite à rejoindre massivement le Parti ouvrier indépendant démocratique, à faire connaître la tribune des travailleurs, parce que plus fort sera ce parti, plus large sera la diffusion du journal, et plus s'approchera le jour de la victoire pour tous les opprimés, tous les exploités. À bas l'exploitation, à bas l'oppression, dehors Macron, et vive la classe ouvrière! Qu'il faut virer! Qu'il faut licencier, c'est le gouvernement qu'il faut virer. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison donne en son travers, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase. Foule esclave, debout. Debout, le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international.
sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain.